A pas. Vous êtes utopiste? Sans doute un petit peu. On va faire une interview utopie alors. Est-ce que vous croyez encore que l'argent peut ne pas contrôler le monde? Oui, je pense que c'est un combat qu'il faut mener et qu'il n'y a pas. On est partagé. Est-ce que vous croyez encore que le libéralisme n'est pas la seule option possible? Le libéralisme politique de la Révolution française, c'est-à-dire la liberté individuelle, c'est mon option. Ouais. L'ultralibéralisme de Berlusconi, non. Ouais. Et je pense qu'on s'en détournera bientôt, ça a 20 ans dans le fond, pas plus. Ouais. Vous croyez encore au socialisme? Oui, je crois au socialisme, oui. Vous croyez encore en François Hollande? Bien sûr. Vous croyez encore qu'un jour le PS aura un programme original et novateur? Mais on va s'y mettre bientôt. Ah! Il faudrait vous y mettre, là, quand même. Il y a urgence. C'est très honnête. Vous croyez encore que si tous les gars du monde voulaient se donner la main... Je pense. Vous m'avez parlé tout à l'heure des politiques, parce que c'est votre style, je le comprends. Moi, ce qui m'a le plus choqué, je vais vous le dire, c'est que dans ce combat, les citoyens s'en foutent totalement. Ouais. Qu'il y a un petit arabe au coin de la rue ou la prostituée roumaine, elle gêne. Ouais. Le mafieux derrière ne gêne pas. Tout ce qui se cache derrière, et qui est absolument colossal, personne n'en parle. Et quand on a mené ce combat, moi, j'ai vu... Bonnet d'âne aux politiques autant que vous voulez, mais bonnet d'âne aussi aux citoyens, et donc on se donne la main, c'est-à-dire tout le monde se bouge. Est-ce que vous voyez encore en la France black, blanc, beurre? Bien entendu, et puis c'est pas... Vous croyez encore en l'intégration? Vous pensez pas qu'on est passé du côté maintenant du communautarisme définitivement? Non, je pense que c'est une grande bagarre qu'on a au quotidien, mais je pense pas que ce soit le fond, et il y a beaucoup de gens qui sont mobilisés. Depuis un ou deux ans, on a des dérapages absolument inadmissibles, et je pense que... On y arrivera. Croyez encore au retour de Lionel Jospin? Je crois, j'observe. Ouais. Vous croyez encore en la paix en Palestine? Je pense que c'est un des sujets sur lesquels vous parliez d'utopie tout à l'heure. Il y a des dingues qui parlaient de paix perpétuelle ou qui parlaient d'Union européenne et on se moquait d'eux il y a deux siècles. Ouais. Je pense que pour les années qui viennent, c'est le grand sujet. Vous croyez encore en la France? Oui, je pense qu'on a une crise de l'esprit public qui est profonde et moi je... Je suis très attaché à la France, pas une France fermée sur elle-même, mais cette France qui essayait de porter des valeurs universelles. Et je pense que si on était sincère dans nos convictions, je crois que c'est un pays qui pourrait faire plus pour lui-même, plus pour les siens et plus pour les autres aussi. Vincent Payon, le miroir noir du blanchiment, chez Hachette Littérature, mesdames et messieurs. Alors, vous parlez un petit peu dans votre livre du financement des partis. Alors, Michel Mouillot était là la semaine dernière. Il est reparti avec une mallette. Il est reparti avec une mallette que Laurent lui a gentiment donnée. Alors, il nous expliquait que depuis 1990, finalement, rien n'avait changé. Que finalement, aujourd'hui, les partis politiques touchaient 150 millions d'euros par an, qui se partageaient allègrement, mais qu'ils continuaient quand même à tirer du pognon aux entreprises, à en prendre un peu partout. D'une certaine façon, son excuse, c'était d'expliquer quand on est en bas, on ne peut pas financer sa propre campagne politique. Ouais. Or, dans la loi dont on a parlé, moi j'ai fait plusieurs campagnes électorales, c'est les impôts collectifs qui payent les campagnes politiques, même des conseillers généraux. Je vous donne un exemple pour que les gens comprennent. Ouais. Vous avez le droit à 50 000 euros, près de 60 000 pour une campagne législative. Et on vous en remboursera, l'État, le préfet de votre région, 25 000. Donc on calcule tous notre campagne à 25 000 euros. Pour pas avoir à taper la grand-mère ou taper, comme vous le dites, l'entreprise du coin. Ouais. Et ça fait des années que ça dure. Donc moi j'ai fait des campagnes électorales payées sur fonds publics, où il y a une vraie moralisation, parce que vous n'avez rien à demander. Et donc ce qu'il a dit la semaine dernière est totalement faux. Comment tu le trouves? Il est pas mal, non? Ah non, bien. Bien, hein? À moi, bien. Non, moi, j'ai eu un petit pépin au début, et puis après, ça a été très bien. Donc, au début, non, le petit pépin, c'était que... T'as raté ton entrée pour nous, mais après, après c'est bien exprimé, après. C'est-à-dire que, non, au début, c'était... le combat contre les mafieux, moi, honnêtement, c'était pas grave pour moi. C'est bizarre. Il est mafieux, Patrick. Ouais. Je suis un monstre, ça me gêne pas. Non, mais ça me gêne pas. Moi, ce qui me gêne, c'est le... Tout d'un coup, c'est quand on tape dans les caisses. Du citoyen. Ça me gêne. Moi, le combat contre le mafieux, c'est un combat de flics, de police. Enfin, je veux dire, c'est pas... Vous voyez, et tout d'un coup, donc le côté mafieux, le côté voyou, le côté blanchiment, tout ça, je me dis, après tout, ce sont des voyous, quoi. Depuis l'alcool interdit, tout ça, c'est pas grave, ce sont des voyous. Non, ce qui est gênant, c'est que tout d'un coup, il y a des gens pour qui on vote et qui ont cette confiance, et ceux-là, il faut les combattre, quoi. Plus que les mafieux, quoi. Les mafieux, c'est un combat normal, quoi.
Ceci étant dit, honnêtement, aujourd'hui en Europe se développe, on vient de voter pour les européennes, le trafic d'organes. C'est-à-dire qu'il y a des types qui vendent leur rein ou leur cornet pour 1500 euros pour qu'on les vende dans nos cliniques à 100 000 euros. Et il y a des types qui font donc, vous voyez, entre 1500 et 100 000 de l'argent avec ça. Vous vous dites, je m'en fous, c'est normal. Ah non, je m'en fous, c'est normal. Le combat sur la police et la justice existait dans notre pays. Aujourd'hui, le fait que la coopération judiciaire et policière ne marche pas en Europe, c'est quand même votre affaire. Ouais, mais enfin bon, taper dans les caisses au niveau municipal, ça me gêne vraiment. C'est un vrai débat. Le poids de l'opinion publique. De dire effectivement qu'on est contre le trafic d'organes, je trouve ça tellement normal. Enfin, je veux dire, c'est vrai qu'il y a une espèce de résignation devant ces activités de blanchiment, parce que beaucoup de gens, comme dit Patrick, pensent que c'est l'affaire de la police. Et que c'est pas leur affaire, alors qu'un mec qui vole dans la caisse d'une mairie, on pense que c'est plus notre affaire. Ça vous fait quoi dans la discussion? Oui, moi j'ai pas tout imprimé, la politique là... Ça vous fatigue? Non, sérieusement, ça vous fatigue? Non, enfin, il y a beaucoup de choses, j'ai du mal à suivre tout ce que vous dites, il y a beaucoup d'affaires, enfin la plupart d'ailleurs, que j'ai absolument pas suivi, et puis je... Ouais, qu'on se revoie peut-être. Mais je sais pas, parce que... Fais gaffe, Vincent, là, mec... C'est dur. Elle l'adore, t'as vu. Le seul qui trouve grâce à ses yeux, à part Johnny Depp, c'est le petit. Un mec qui est un peu dans le creux de la vague en ce moment. Mais il est un peu grossi en ce moment. Bon. Non, c'est certainement assez irresponsable de parler comme ça. J'ai jamais voté et j'arrive pas à vous écouter. C'est le costume qui passe pas, c'est quoi? C'est plutôt comme un politique, il est bien, je trouve. Marie, je regardais ça, vous parlez beaucoup avec vos mains, mais je décroche, quoi, j'y arrive pas. C'est simple, il y a une fréquence sur laquelle vous vous branchez, même si vous dites des choses intéressantes, on sent un ronronnement très très bien étudié et travaillé, donc on décroche. Et après, ça revient, ça revient. Ça n'est plus clair, Pillon. On était très d'accord avec lui, simplement. C'était pour expliquer le fait qu'elle décroche. Non, je parlais pas de vous et de ce que vous venez de dire, qui était... C'était chargé, il y avait beaucoup de choses, quoi, mais c'était clair. C'est en règle générale, c'est toujours on va faire bien, on va faire mieux, on va aider les uns, on va aider les autres. Et il y a toujours que des histoires de fric, il y a toujours que des histoires de guerre, toujours. Toi, t'es hermétique à ça, t'es imperméable à ça, toi. J'ai pas le temps, voilà. J'ai pas le temps. Et toi, Laurent? Bah, je sais pas, mais c'est vrai que c'est des discours qui sont quand même assez encourageants, la volonté d'agir, etc. Ça nous saoule de belles paroles, on est ivre comme ça, on est grisé par ce rythme et par cette volonté, je pense, sincère de bien faire politiquement. Mais moi, j'ai peur demain de me réveiller avec la gueule de bois, quoi. Je vais donner une carte de on s'en branle, c'est la dernière. Ah ouais. Vincent Payon, les milliards noirs du blanchiment.